On est sur Naruto RP et vous allez voir, je suis un professionnel. Je connais absolument tout. Vegeta, Sangoku, Spock, Luke Skywalker et tout. Naruto quoi. Bien, comme vous avez pu le constater, comme je l'ai répété hier pour ceux qui étaient là, nous sommes en guerre actuellement contre Kyrie. La guerre fait rage sur n'importe quelle AP. Pourquoi nous vous avons rassemblés aujourd'hui pour une mission un peu plus particulière et un peu plus périlleuse que ce que vous avez connu jusqu'alors. Nous avons dans nos rangs un shinobi du surnom de la mouche. Qui possède la particularité de maîtriser l'ermite crapaud. C'est moi, mon pseudo c'est The Bilamouche. Nous utiliserons ses compétences à bon escient. Pourquoi nous vous avons donné une liste de shinobi qui allait nous accompagner pour faire un avant-poste sur la Pyruine. Pyruine que nous détenons car nous avons pris déjà les drapeaux tout à l'heure. Je vais dire la liste. Les personnes qui seront citées vont se mettre devant moi. Vous serez la garde rapprochée du shinobi la mouche. Compte sur vous. Oui, c'est moi, The Bilamouche. Ok. The Bilamouche, tenez, venez avec nous, en face. Bien, messieurs, vous êtes chargés de sa protection. Il est important pour nous, cette personne est obligée de rester en vie. Il peut être un tournant dans cette guerre que nous menons contre le village de Kiri. Je suis l'élu. J'ai confiance en vous, messieurs. Bien, pour les autres, dispersion. L'autre qu'on met court super vite. Bien, Yako, Jonin Yako. Vous êtes chargé. Janine ? Vous êtes chargé de les escorter jusqu'à la zone indiquée que je vous ai fait parvenir avant. Bien, le rapport a été lu, monsieur. Parfait, suivez-moi, je vais toutes vous accompagner jusqu'à la zone. C'est qui Janine ? C'est pas Janine, c'est Jonine. Ah. C'est un grade ninja. Ceux qui sont chargés de la protection avec moi. Oh, je me suis mis en rouge. On va l'encercler comme un losange. Donc j'en veux un devant, un derrière, un à gauche et un à droite. Personnellement, je peux les repérer grâce à mon Bakugan. Activez peut-être pas votre modermite tout de suite. Oui, j'ai pas fait exprès, je me suis concentré trop vite. Oui, vous avez le sida, monsieur Lam. Le Uzumaki qui est à sa droite et donc le Yuga à sa gauche. Je ne veux pas que les rangs... Yora, s'il vous plaît, écartez-vous, attention. Bien, on y va. Tout le monde vers la porte. Monsieur Lamouche, je vous demanderai de ne pas me dépasser pour votre sécurité. Bien, pour vous rappeler l'ordre de mission qui vous a été confié. Une fois arrivé sur les lieux, je vous laisserai là-bas. Mon rôle était juste de vous accompagner. Vous serez donc chargé d'établir un avant-poste. Vous avez tous été formés pendant vos examens à créer et à sécuriser une zone. Une fois la zone construite, vous devriez aller chasser pour récolter et trouver la nourriture nécessaire. Et une fois que tout le camp sera installé, vous enverrez un rapport à Konoha. N'oubliez pas une chose, la vie de The Bilamouche passe avant la vôtre. Bien, avançons. Il faut sauver la mouche. C'est exact. La mission s'appellera Sauver la mouche. Et ciao les mecs. On te trace la mouche. Ouais, faites les malins. Ouais. Je vais ouvrir la porte. Bah tiens, non, tiens. Kyo va ouvrir la porte. Il n'y avait pas plus grand comme porte ? Non, c'est parce qu'en fait, vous voyez le clan Akimichi ? Il faut des grosses portes. Le clan Kimichi ? On est bien protégé. Parenthèse, c'est les gros. Le clan Akimichi. Le clan Gucci. Elle est où Janine ? Non, c'est pas Janine, c'est Jonin. Jonin. Jonin Hallyday ? On va dire. Oui, c'est un peu ça. Il y a des talents de chanteur qui peuvent s'y rapprocher. Bien. Sors de la zone, soyez méfiant. On va donc zone désertique. C'est exact. Affirmatif. Affirmatif. J'ai entendu un bruit suspect. C'est moi. Oui, c'est le Sharingan, il s'active pour vérifier qu'il n'y a personne. C'est le Sharingals. Mais toi, fais de même. Affirmatif. Vous avez aussi un bon exceptionnel, hein, monsieur la mouche. Pardon, soyez pas jaloux. Ouais, en tant que mouche, je suis attiré par la merde. Quoi ? Oui, bon, bah écoutez. On a bien choisi un ninja qui vous entoure alors. Chacun ses préférences. Comme les autres. C'est pour ça que je vous suis. C'est très peu gentil ça. Après les gars, vous pouvez pas répondre parce qu'il active son ermite, il vous nique tous. Hein. Ça c'est pas faux. Moi dans le métier, on m'appelle Thierry. Pourquoi ? Thierry l'ermite. Je récupère l'argent, excusez-moi. On va où là ? Allez là, on passe, c'est parti. On part en camping, t'es avec ton paluchon ? Non, on va à zone de neige. On dépasse. Nous voilà au pays du fer, monsieur Lamouche. Waouh. La zone est bien plus... Il est magnifique. Vous pouvez m'appeler Zobie. Bien, attention. À dégager, donc là, il faut vraiment croiser.
Attention, attention, on s'arrête. Bon, vous savez tous que quand on va dépasser cette palissade, nous ne serons plus dans le pays du feu. Donc la législation s'arrêtera pour nous. On sera donc en territoire inconnu, même si jamais nous avons quelques balises. Il peut à n'importe quel moment, on pourra rencontrer des Nukenin. Ou alors rencontrer même des ninjas de Kiris, que je n'espère pas. Nous allons donc pouvoir continuer notre avancée. Faire attention aux ninjas. Surveillez bien Zobby. Hein. Il a une Pokéball dans le dos. Une Pokéball, c'est l'insigne du clan, du grand clan Uchiwa. C'est quoi ça? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est? Il y a un imbus. Poussez-vous. Arrêtez de bouger, allez tous. Toutes en formation autour de la mouche. Waouh, c'est sorcellerie. On est dans un monde de shinobi. Monsieur The... Bien, utilisateur du Jinton repéré dans les airs, on va avancer un peu plus rapidement. Le Jinton, c'est tonique. Utilisateur du Jinton. La lourdeur du mec. Utilisation du gin tonic. Quelle est votre nature de choc? Je suis plutôt persan. Non. Ça répond pas vraiment à la question, vous êtes Fouton, vous êtes Katon. Bien. Un peu Katon, un peu Fouton, Vasarely. Tobrak, Vasarely. Bon, comme vous le savez, la dernière fois que Kono est allé en zone désertique, ça s'est pas très bien passé. Notre estimé fit. Oula, qu'est-ce que je raconte? Notre unité fit décime. En même temps, si vous partez en expédition qu'avec des enfants. Oh! C'est insultant. T'as quel âge par hasard, Zep? Moi j'ai 12 ans. Il a sauté des classes. Et pas que les classes, la prof elle est passée aussi. Je commence à avoir froid, en même temps je suis en chaussette de football. Il y a un petit indien qui nous suit. Vous saviez qu'on allait au pays du feu. Eh, y'a Pocahontas là. Il aime pas qu'on le traite de nain. Ils sont tous nains dans leur famille. Non mais arrêtez, ça se fait pas. Oh. Passe quoi? En parler, c'est un peu des victimes, les. Y'a l'enfant de passe-partout là. Mais Bon, monsieur le Jonin. Il y a mis une grosse torgnole. Il l'a pas volé celle-là. Du coup, c'est le Jonin, on devrait établir le camp pour protéger The Bilam. Vous allez établir le camp dans la zone désertique sur une montagne. Affirmatif. Oh putain, apparemment il y a des scarabées et tout. C'est ça qui fait peur, bah alors. On se stoppe. Actuellement, nous sommes dans la zone désertique. D'après les informations que nous avons reçues, une base de Nukenin s'y situe dessus. On ne sait pas. Fait chier dessus. Elle y est habitée, mais elle a été découverte. C'est trop mignon comme il court avec ses petites jambes. Oh, oh. Alors, c'est quoi? Oh, le strike! Poussez-vous, écartez-vous! Wow. C'est quoi le monsieur Lamouche, venez! Ah, t'as survécu, Kirikou? Bien. Vous l'avez enfermé dans une box? On va dire qu'il s'est fait confiner hors du monde. C'est un peu le but. Voilà, 2 semaines de confinement dans sa gueule. Mais attendez, on va attendre une unité médicale. D'accord. C'est quand qu'on va rencontrer Vegeta? Quoi? C'est quand qu'on va rencontrer Vegeta? Alors. Il y a eu un souci. Ouais, là c'est. Y a, ouais. Le Vegeta, c'est. Ah d'accord, autant pour moi. Il est pas là, Vegeta. Il est malade. Il est en vacances. Il est sur la main. Le vaccin, il l'a mis KO. Ah merde. Johnny doit établir le camp ici. C'est un village abandonné ici. Ça dépend sur de mon avis personnel. On va l'établir vers là. Oh merde. Non mais ils sont cons aussi. Ils ont fait quoi? Eh, je me suis trompé, désolé. Il y a protection du vent, là. Ah, c'est lui qui a lâché un P. C'est moi. Il est con, il a fait une attaque sur ses potes. Je l'ai vu, il a pété, il est parti en fusée. Comment je peux faire? Ouais, t'es débile. Oh là, quoi. On va pas aller très loin avec des trucs comme ça là-haut. Pourquoi c'est toujours moi qui me fais victimiser là, je comprends pas. Vas-y, c'est toi aussi, parfait. Bon, on va pouvoir reprendre pour la deuxième fois. Bien, vous allez me set le camp ici. Kyo, Meito, vous gérez. Comme vous voyez, on est quand même dans une zone assez à découvert là. Il nous a pas choisi la meilleure zone, hein, je suis désolé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur ces roches pour continuer des murailles. Vous allez m'en faire ici et derrière. Vous essayez également d'en mettre dans les hauteurs pour qu'on puisse avoir un visuel dégagé. Et moi, je vais m'occuper de rester. Dès que vous avez terminé, vous me dites. La mouche, venez avec moi. Non, vous êtes ninja depuis longtemps, monsieur là. Oui, ça fait des décennies. Ma mère était ninja, ma grand-mère était ninja. Mon petit frère a une mobilette avec un pot ninja. Des vrais fans. Ouais, des vrais, quoi. Ils font quoi? Ils construisent une cabane? Ah non, ils construisent de quoi vous protéger, vous voyez, des belles petites murailles. Et après, de ce côté-là, on va aller chercher les 7 boules de cristal, c'est ça? Non, c'est toujours pas le bon univers. Ah, d'accord. Il y a un clampin qui vient de passer avec une. Une veste noire et des nuages. C'est quoi ça? Oh, c'est un indien, c'est petit nuage. Ah ouais? Ok, ça va être compliqué de construire le camp si c'est comme ça. Ok, je vais aller faire un tour de la zone.
Continuez à construire le camp et je vous fais un rapport, ok? Vous allez faire quoi? Vous allez attraper Petit Nuage? On va être sûr que c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est tout. Ah oui, d'accord. Bon, est-ce que vous m'entendez, là? Oui. En même temps, on est à côté. Du coup, on va rapidement construire le camp. Le camp? Ok, bon, du coup, je vais aller faire un tour de la... vous continuez à construire le camp et je vous fais un rapport par radio. S'il y a un problème, vous me le dites, je viens vous rejoindre. Affirmatif. Voilà, Mouche. Oui. Est-ce que tu veux que je t'apprenne quelques techniques? Vas-y. Si Petit Nuage t'attrape, c'est pas de ma faute. Commencez par le clone. Est-ce que tu sais c'est quoi un clonage? Oui, vas-y, fais le clone. Vas-y, j'attends. J'attends. Mon chakra. Vas-y, fais le clone. Écoute, ça demande beaucoup de concentration, en fait. Tu me stresses. Tu sais pas faire. Que si, j'ai un utile. Wow. Ah, quoi? Alors là, c'est un oubli, c'est moi contre, il est un peu con, je l'ai pas au niveau supérieur en fait, il peut pas bouger, mais... C'est quoi qui est passé là? Une autre technique, Zebi, regarde. Vas-y. La métamorphose. Alors, je me suis métamorphosé en percussion. T'es transformé en ragondin? Là-bas, sur la montagne. Attends, y'a quelqu'un qui nous tire dessus, non? Y'a des gens qui vont déconner, hein. On va se mettre en sécurisation de zone, tout le monde se voit. On a perdu le rouquin. Cours, Zebi, viens. Cache-toi derrière le rocher. Mais vas-y, petit indien, va le choper. Comment ça, petit indien? Technique de secours, permutation. Ça marche. J'ai mis un clone au cas où. Moi, je lui jette des bulles. Ça ne marche pas comme ça, Zebi. Ouais. Mais on a perdu le rouquin, par contre. On a perdu... Le rouquin, il est mort. Ok, bon, je vais faire un rapide balayage de la zone au niveau de la frontière pour Kiri. Il y a personne et Kona aussi. Okay. Faudrait balayer aussi, là, il y a un peu de poussière. Ça c'est à cause des vagues de bulles. Par contre, comment ça se fait que je suis parti, il n'y avait pas de muraille, je reviens là, toujours pas. Ah, on s'est fait attaquer, en fait. Il a disparu dans un nuage de fumée. On s'est fait attaquer, exactement. Vous êtes fait attaquer? Oui, on s'est fait attaquer. Ouais, affirmatif, on s'est fait attaquer. Mais j'ai fait un Kamehameha, c'est bon. Okay. Toujours pas, non. Il a un problème avec... non, Zebi, ça marche pas comme ça. Ok, le Yuga, balaye la zone avec le Bakugan. Ok. Je m'occupe de construire le camp avec Zebi. Oh là là, le rouquin. Y'a rien à récupérer sur lui? Non, y'a rien dans les poches. D'ailleurs, Zebi, tant qu'on est là, t'as quoi comme technique à part ton... Oh! On s'est pris un funaille! Zebi, disperse! Zebi, tout sur Zebi! Demi, viens. Mets de protéger. Oh bon. Demi, bouffe. Ok, mur. Il est très mal placé, mais on s'en fout. Ok, mais attends, on va où? Je sais pas, on va s'aventurer, mais on doit quitter cette zone. Jon Snow, on se fait tirer dessus. Ok. Mais Jon Snow, fais gaffe. Ok, y'a une fougère devant. J'ai imprimé. On se cache dans la foule. Oh. Mais avec quoi il tire? Allez-y, monsieur la mouche, allez! Ok, Zebi, je t'ai trouvé une cachette, suis-moi. Eh, je vois rien, c'est bien couvert, c'est quand même assez... Qui est discret dans une zone désertique, où toutes les plantes ont séché. Bah, cache-toi. Ouais, c'est vachement discret, hein. Attends, j'en profite pour faire la grosse commission, vu qu'il y a des feuilles. Oh! Monsieur la mouche! On va tous y passer! T'inquiète pas, Zebi, je suis là pour te protéger. Oui, enfin, tout le monde crève depuis tout à l'heure. Ouais. C'est cheaté, ça! Je crée une tour, mais est-ce que tu sais sauter haut, Zebi? Tu n'as pas encore la capacité d'un vrai ninja. Je sais sauter comme ça. Et sinon, je sais faire des patates sautées. Si jamais ça peut aider. On devra survivre ici. Toute notre équipe s'est fait décimer par... Écoute-moi bien, The Punk, je suis avec toi, il ne pourra rien t'arriver. En clan. Partie DV. D'accord.